Atakar Shwada, Winjar Alajarsh, Atakar, Guarbeti Pajarsh, Harsh, Sibalti Yiguarsh, Ma, Ul, Udams, Winja, Waija, Waika, Hawaija Salwan, Atakar, Balhur, Winja Laja Daus. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 8e épisode sur Far Cry Primal. Alors, entre les deux épisodes, j'ai fait pas mal de farm. Et du coup, on devrait pouvoir débloquer quelques petites choses. Juste attendre que ça charge, voilà. Alors, on va ouvrir tout ça. Donc premièrement au niveau des compétences, j'en ai 4 à attribuer. Donc j'ai regardé un peu tout et ce qui m'intéresserait c'est de débloquer ça. Alors forcément pour débloquer ça il faut débloquer le truc d'avant, donc c'est ce qu'on va faire. Pour en ressusciter notre machin plus facilement. Et du coup on peut apprendre ça, voilà. Du coup quantité maximale de bois, de pierre, de roseaux d'argile et de poussière à chaque récolte. Donc ça va nous mettre plutôt bien. Au niveau de la confection, pardon, on peut envisager 2 améliorations. Donc la première c'est sur la sagaie, donc qui fera plus de dégâts, qui durera plus longtemps. Donc on prend, on va pas se priver. Caillou noir du nord, ok. Argile noire du nord, cèdre, ok. Et ici, donc ça y est, j'ai eu enfin ma 2e plume, j'ai shooté un oiseau en plein vol, c'était pas forcément évident. Donc on améliore aussi, hein. On passe à 24 flèches, et visiblement on peut encore améliorer, on passe à 32 flèches, bon voilà. Pour le dernier tiers il faut des plumes rares, donc là ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, du coup 32 flèches, on est déjà bien au niveau du... Au niveau de la quantité qu'on peut trimballer avec nous, donc ça c'est plutôt cool. Puis bah, après bah, voilà, il faudra farmer tout ça. Des compos que je ne maîtrise pas encore. Alors au nord, j'imagine que c'est au nord. Et je sais plus quoi là, pierre du sud, machin du sud, ça j'imagine que c'est plutôt au sud. Mais c'est pas forcément des zones que je maîtrise encore et dans lesquelles je peux aller. Au niveau de la carte, donc j'ai fait pas mal d'exploration. Donc voilà, donc j'ai exploré un peu tout ça, j'ai gardé les bûchers à prendre, et donc on a nos petits mecs à sauver. Donc alors, ce qui serait plutôt pas mal, c'est que dans cet épisode, on arrive à sauver ce mec-là, enfin à le récupérer avec nous. Et si on peut en profiter pour prendre un bûcher, ça serait pas mal non plus. Donc on va prendre celui-là, voilà. Et je pense qu'on va essayer de rusher dessus en fait. Donc là forcément on va être à court de bois. J'ai un nouveau familier. Je vais vous montrer ça, donc si j'appuie sur B, donc voilà, donc c'est le loup noir que j'ai réussi à capturer au final assez facilement. Enfin de toute façon c'est vraiment pas compliqué de d'attraper des bestioles, hein, c'est pas le problème. Mais du coup 4 en force, 3 en vitesse et 3 en discrétion, c'est bien mieux que le machin qu'on avait avant, donc on prend. Là-dessus, pardon, il n'y a pas de souci. Donc, eh ben on va y aller. Donc on va en plein sur l'objectif. Et on essaiera de ramasser du bois en passant pour se faire la blinde de flèches. Et ça c'est vraiment agréable. Je crois qu'au début on était bloqué à 6 flèches, je crois. Non, je sais même pas. Oh, attends, c'est un pote ça. Il fuit quoi ? Puis pour lui. Tant pis pour lui. Ça se passe bien, pas d'ennemis. Alors les petites fleurs rouges qui servent à soigner le familier. Qu'est-ce que c'est que ça? Capturer les tous. Donc ça c'est un avant-poste, donc c'est pas encore un bûcher. À mon avis ça doit être l'étape au-dessus. Donc les points de déplacement, d'accord, blablabla. État des ressources, blablabla. Ok. Et donc là je m'étais fait attaquer par les espèces de petits dolls, les petits chiens. Ok. Donc bah écoutez, je vous propose qu'on regarde ce que ça a de différent en avant-poste comparé à un bûcher. Alors il est juste en contrebas je pense. Donc c'est ce truc là en dessous, ça a pas l'air très grand non plus hein. Et les mecs ont l'air en vadrouille hein, de toute façon. Il y en a un en dessous là. Lui envoyer notre copain sur la tronche. Qu'est-ce qu'il fait, copain? C'est peut-être un peu fou là de descendre comme ça dans la gueule du loup. C'est pas grave, on est comme ça. Bon, il n'y a pas grande résistance pour l'instant. Je me souviens plus ce qu'il faut faire en fait pour capturer un bûcher. Il fallait détruire des trucs, non, dans mes souvenirs. Ah, y a visiblement un petit mec là-bas en face. Voilà, il y avait... Donc ça y est, c'est fait, c'est... Ok. Tant mieux, hein, écoutez. Allez, un petit peu plus d'XP, des vignas en plus. C'est parfait, mais il y a encore des mecs. Celle là-dedans, il y a une bête folle. Ils ont emprisonné une bête folle, c'est qui ça? C'est un pote? Ouais, c'est un pote. Ça aussi. Du coup, on va regarder un peu la map. Est-ce qu'il y a des choses à voler? Qu'est-ce qui pleure comme ça? Ça je peux pas prendre. Mais si je peux prendre. Je sais pas ce que c'est mais j'en ai déjà. Alors. Où sommes-nous? Ok, on est ici. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille faire cet événement là. Et qu'ensuite on aille sauver le mec. Donc c'est parti. Alors du coup, on focus... Ah attendez, il y avait une grotte là, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses dedans du coup? Des choses à piquer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah c'est pour enflammer la flèche certainement. Ok, il y a une... cache ici, un dodo. Ok, bon, c'est pas fou. Allez, on go en direction. Est-ce qu'il me semblait qu'il y avait un truc là caché? Ok, plein de feuilles. On peut monter par ici? Ouais. Ok, j'avais peur que ça soit trop haut, mais visiblement pas. Alors, arrêtez de bouger dans tous les sens. Toi t'es un pote. Bon, ils sont morts. Ils sont morts comme des cacas. Ok. Bon bah on fonce hein. Un peu trop rapide ces oiseaux. Voilà du bois, donc je suis curieux de savoir combien j'en ramasse maintenant. J'ai pas regardé tout à l'heure. x4. Ok, x4. C'est toujours mieux que moins bien. Ok, on va récupérer ça. J'imagine que tôt ou tard, ce sera utile. Alors les feuilles vertes ont changé un peu d'apparence, c'est sympa. Que suivant les zones où on se trouve, elles n'ont pas toutes la même tête. Sacouille. Ou ça des sacouilles. Ça c'est pas un sacouille. Sacouille. Ça crame. Voilà. Ah bah c'est ici. On ramasse ça déjà. Des sangliers cassent les huttes. Chassez-les pour réduire leur nombre. Ok. Acceptons ça. Aider les vignas mis à mort. Alors du coup. Bah c'est juste ici. Hein. Donc j'imagine qu'il faut chasser les sangliers tout simplement. Il y a du sang ici. Je pense que notre pote va se faire la quête. Alors, excusez-moi, je me trompe de touche. Alors ces quêtes-là, concrètement, c'est pas mal, ça rajoute un peu de diversité. Ceci dit, des fois, il y a vraiment très peu d'animaux, quoi. Enfin, alors là, on les voit les animaux sur la zone des animaux sur la carte, mais le problème c'est que la plupart du temps, enfin je trouve que ces zones là elles sont beaucoup trop grandes quoi. Et t'es obligé de cavaler pendant des heures pour avoir vas-y occupe-toi-en. J'ai failli te faire lui grimper dessus. Ouais, et la plupart du temps, c'est vrai que... Bah, disons que s'il les avait mis dans une zone un peu plus restreinte... C'est quoi ça? Ah non, non, non. Normalement, les ours, maintenant, avec ce familier-là, ça passe bien. Par contre, je me fais sauvagement encaisser par un sanglier. Ok, il s'en occupe. Nous, on va récupérer un peu tout ça, parce que c'est le nerf de la guerre d'avoir un peu de ressources. Ok, tu t'en es occupé ? Du coup, bah, on va continuer à tourner en rond. Et puis... Oui, alors ça... Alors... il faut l'enflammer, je crois. Ok, c'est ça. Est-ce qu'on peut... Ouais. Ouais, mais je vais aller récupérer le machin, moi, vous êtes drôle. Ok, tout ça pour me dire que je suis plein. Ah, crotte. Bon, on en a eu au moins un. C'est ici. Peut-être que l'autre est mort de ses blessures aussi. C'était lui, je crois. C'était tir n'importe où. Ah, ça y est, il est mort de ses blessures. Donc il n'en reste plus qu'un. On va tourner un peu et puis après il sera peut-être temps d'aller sauver le mec hein, quand même. Peut-être qu'on fera ça dans le prochain épisode du coup. Donc, ce que je vous disais, c'est des quêtes à la con qui en soi ne sont pas dures. Mais voilà, t'as 7 animaux dans la zone et il faut les trouver parce que sinon tu ne peux pas terminer là. C'est dommage parce que c'est des quêtes intéressantes en plus, hein, qui vous rapportent un point de compétence ou des conneries dans le genre, donc ok. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, alors, bah, ce que je vous propose c'est qu'on aille déjà le voir et en fonction de ce qu'il nous demande de faire pour rallier notre cause, qu'on le fasse dans l'épisode d'après. Alors là, visiblement... Ça, non, ça c'est un gentil. J'ai failli lui tirer dans la tête. En mode normal. Là par contre, ça... Allez. Chasse, examiner la peinture rupestre pour trouver une ressource rare dans les environs. J'imagine que c'est ça la peinture rupestre. Non. What's this? C'est ce machin là, là. On voit, on dirait des arbres un peu calcinés, mais à moins que ça soit à l'étage. À mon avis, il y a peut-être plus de chances pour que ça... C'est quoi là-bas? Oh, c'est un événement quelconque, donc on va le laisser de côté. Bah écoutez... On va voir, messieurs... Ah, cinématique. Oh. Non mais il nous pisse dessus là ou quoi? Putain. Il faut rallier à notre cause un mec qui nous pisse dessus, c'est ça l'idée? Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Bon. Bon. Alors on est piégé. C'est pas grave. On ramasse des ressources. Mal. Le mec il tombe au fond d'un trou, il sait pas où il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse des ressources. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin là? C'est quoi ce gros machin là? Échappez-vous de la grotte. Alors j'imagine que on ne pourra pas sauter, non. Donc j'imagine que la seule sortie serait là-dessous. Ouais. Du coup, tac, tac. Je sais pas si c'était la bonne idée. Je suis en feu, Ouais, c'était ça qu'il fallait faire. Ok. Bon. Visiblement, il s'est bien amusé le pisseux. On a toujours pas le grappin. D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée en fait de se débarrasser de ce machin là d'abord. Et dès qu'on peut, je pense que c'est le mec là justement, c'est le mec qu'on doit sauver qui donne le grappin. Du coup, ça serait une bonne idée de débloquer le grappin. Qu'est-ce que c'est que ça? Échappez-vous de la grotte. Bon, écoute, on s'échappe. Hein. On peut pas faire de chichi. Ceci étant... Ah, on peut... Visiblement, il y a des communications dans cette grotte. Ou pas d'ailleurs. Non, je crois que c'est au même endroit au final. La grimpe. Voilà. Alors, il doit y avoir quelque chose... J'imagine qu'il faut le fameux grappin. Ça me semblerait assez logique. C'est quoi ça ici? Ah, le feu, ça brûle. Il y a visiblement quelque chose qui m'échappe. Débloquer. Ah ah, on peut le débloquer. Comme ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. En plus, on n'a pas de quoi se faire un gourdin, donc c'est vachement pratique. Non, mais visiblement, il y a un truc à faire avec ça. C'est pas il faut que le feu, à moins que j'ai pas mis le feu de partout, je sais pas. Échappez-vous de la grotte. Ah oui, mais moi je veux que ça, moi. Je ne demande qu'à sortir de ce trou où je me fais pisser dessus. C'était pas ma destinée. Mais je sais bien qu'il faut monter là-dessus, mais... Mais non, mais on peut pas de toute façon. Ok, c'est ça. Et c'est mal fait du coup. Parce que si pour sortir d'ici, il faut utiliser l'objet que tu débloques en sortant d'ici. Enfin, je sais pas, c'est curieux. C'est curieux. Qu'est-ce que c'est que ça, ça brille, mais... Bah pourtant j'ai tout vu, hein. J'ai tout regardé. Juste ce truc ici, mais forcément quand je marche dessus, bah c'est moi qui... Ah tiens, il y a des trucs là. Alors du coup, est-ce que ça aurait... Non, c'est pas ça que je veux faire. Est-ce que ça aurait mal pris feu ? Ça me semble bizarre. Il y aura un objet ici. Ah, c'est chiant ça. Au fond de l'eau, j'ai zappé un truc. S'il le faut, vous êtes en train de vous attraper les cheveux parce que c'est un truc tellement évident. Mais je vois vraiment pas ce que ça peut être. Non, je sais pas. Mais franchement, je coince un petit peu. Ça, de toute façon, ça n'aurait aucun sens. Bon bah écoutez les amis, je vous propose qu'on se quitte ici et on se débloquera certainement dans le prochain épisode, du moins. J'espère. Il doit y avoir un truc à la con à faire. Ça doit être aussi simple que ça. Bon. Bah écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vais éviter de... marcher une énième fois dans le feu. J'espère que donc ça vous aura plu. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien et à tchou tchou.